Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que la soirée sera doublement meilleure. Ce soir, face à des inconnus, ma foi de plutôt bonne compagnie, j'ose prendre la parole. Je ne représente aucune association, aucun lobby, et je n'ai pas l'intention de profiter de la situation pour faire le buzz. J'essaye d'agir pour la bonne cause, celle de rassembler d'honnêtes gens à une cause qui me semble juste. Face au climat, le changement c'est maintenant, on nous l'avait promis. Mais il n'en est rien, ou du moins pas encore assez. Pour autant, il n'est pas encore trop tard. Des dizaines de centaines d'actions vont être faites au quotidien. Je pense à une action particulière, un geste simple, mais d'un impact inimaginable. Je ne parle pas de devenir instantanément vegan. J'aurais pu du jour au lendemain de prendre sa voiture. De jeter tous vos vêtements fabriqués à partir d'animaux, non. Je vous parle de venir marcher avec moi, avec lui, avec nous tous ensemble à la marche pour le climat du 8 décembre. Le but de la marche est simple, nous réunir pour montrer à nos élus que c'est leur devoir de changer les choses. Mettre en place des régulations justes pour tous. Placer le budget au bon endroit. Taxer ceux et ceux qui doivent être taxés. Soutenir les agriculteurs. Subventionner les projets à visée écologique. Bref, faire face à nos responsabilités une bonne fois pour toutes. Des dizaines de comptes et de pages ont été créés sur les réseaux sociaux afin de vous tenir au courant de l'événement. Ce sera la meilleure façon pour vous de savoir où et quand précisément se retrouver. En attendant, je vous donne rendez-vous le samedi 8 décembre à 14h pour la marche mondiale pour le climat. En vous remerciant sincèrement de m'avoir écouté, de votre attention et de vos sourires participatifs. Merci beaucoup et à bientôt à la marche. Dans le calme, la sérénité et surtout la joie de vivre, parce que c'est important la joie de vivre. Très bonne soirée à vous, à bientôt peut-être.